chargement, c'est pas top. Hein. En fait, il faut pas utiliser le tube de secours, je pense. Il faut mettre vraiment sur un porte-cartouche. Et là, ça sera plus facile parce qu'effectivement, une fois qu'on éjecte, la cartouche tombe. Donc on peut ici la récupérer dans notre main, la mettre dans une poche, on recharge. Le tour est joué. On regarde ce que ça donne à 30 mètres. Franchement, à 35 mètres, c'est pas mal. Ça y va, hein. Je pense même qu'on peut atteindre un petit peu plus. Et puis, il y a une bonne dispersion à cette distance, c'est pas mal. En partie, j'ai pu faire deux outs avec un seul coup. Ça m'étonne pas en voyant là le schéma de dispersion, on va dire. Il y en a une qui va aller relativement droite, et les autres vont un petit peu s'écarter. Franchement, c'est pas mal. On va tester l'autonomie maintenant. J'ai fait le plein en gaz à donf du petit réservoir. Je l'ai mis sans perdre de gaz. J'ai 9 cartouches en tout, 8 dans ma poche, une dans la réplique. J'ai également le petit scope cam ici, qui, je l'espère, voilà, devrait fonctionner maintenant. Que vous voyez un petit peu la dispersion des billes, et puis on va regarder combien de cartouches on peut tirer avec un réservoir plein. Super relou à charger. Deuxième cartouche. Troisième cartouche. Ah, je l'ai eu ce coup-ci. Il faut vraiment bien la pousser au fond. Hein. Quatrième cartouche. Cinquième cartouche. Je pense que là on est proche de la fin. Sixième cartouche. Ça y va. Septième cartouche.
faut que je tire en cloche là. Bon, et ben voilà, le verdict est tombé. Bon, c'est pas mal, hein. Ça dépend comment vous allez tirer, etc. Je pense qu'un deuxième réservoir de gaz n'est pas superflu. Une cartouche.